nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Seigneur, dans le silence de ce jour de naissance, je viens vous demander la paix, la sagesse et la force. Je veux regarder aujourd'hui le monde avec des yeux remplis d'amour, être patient, compatif, doux et sage, voir vos enfants au-delà des apparences, comme vous le voyez vous-même, et ainsi de ne voir que le bien en chacun. Fermez mes oreilles à toute calomnie, gardez ma langue de toute malveillance, et que seules les pensées qui bénissent demeurent en mon esprit. Que je sois si bienveillant et si joyeux que tous ceux qui m'approchent sentent votre puissance et votre présence. Vêtez-moi de votre beauté, Seigneur, et qu'au long du jour que je vous révèle. Ainsi soit-il, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Saint-Jacinthe Marteau, née le 5 mars 1910 et décédée le 20 février 1920. Elle avait une sérénité spirituelle qui paraissait dans ses actions. Elle, son frère Francisco et sa cousine Lucia avaient reçu 6 apparitions de la Vierge Marie et à chaque fois, ils recevaient des messages. Saint-Jacinthe pouvait voir et entendre la Vierge Marie, mais elle ne pouvait pas la parler. Son frère pouvait voir, mais rien entendre. Et Lucia pouvait entendre, voir et parler à la Vierge Marie. Elle écoutait les messages de la Vierge Marie et donna sa nourriture aux pauvres et mangeait des racines et des fruits sauvages. Pendant qu'elle était malade, la Vierge la rendrait visite 3 fois. 3 jours après sa mort, il est dit que son corps dégageait des odeurs de fleurs et ses joues et lèvres étaient une couleur rosée. Le pape Jean-Paul II a canonisé Saint-Jacinthe le 13 mai 2017.